Bonsoir, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Onko Jem. Alors sur cette chaîne, on va faire les story time et on va faire beaucoup d'affairage. Yves, je ne suis pas la première personne à laquelle tu couches. Hé, hey, ça va se casser. Ah oui, ça va se casser à un point que tu n'imagines même pas. Alors je commence à me poser la question de savoir en fait, est-ce que c'est très grave en fait d'aimer des saucisses, aussi c'est encore mieux en fait de faire le lapé-lapé. La ferraille d'aujourd'hui, ça se passe entre 21h et 3h du matin. Ces événements se passent entre 21h et 3h30. Toi et moi, on a commencé à se faire de 21h30 à peu près. On s'est laissé à 3h30. Donc, si vous ne le savez pas, on va parler de Yves Duro. Les filles qui disent non, lui là, ce n'est pas mon genre. Non, je n'aime pas les hommes courts. Non, je n'aime pas les hommes qui ont gros ventre. Non, je n'aime pas les hommes pieds X. Non, ma chérie, ton pointeur là, il n'a pas l'âge. Alors, qui est Yves Duro? Yves Duro est une artiste comédienne web ivoirienne. Et il paraît que... elle a eu à faire des choses avec Gugu Love. Qui est Gugu Love? Moi-même, je ne sais pas. Donc, je vous explique. Gugu Love a fait un direct. Et dans le temps, elle était amie à Yves Duro. Maintenant, un jour, Yves Duro est allée chez elle. C'est dans tout ça, elle dit que Yves Duro et elle ont fait les choses des grands. Chez moi à 20h30. Toi, une dame, tu prends ton téléphone, tu t'assois et puis tu mens comme ça sur les réseaux sociaux, sur une personnalité publique. Yves Duro, c'est pas moi, hein. C'est Yaka Yaka de Paris qui a parlé de toi. Tu es venu t'asseoir pour dire si c'est gâté là, c'est Yaka Yaka. Et puis aujourd'hui, je dis ici, et comme toi, mais tu as osé soulever ton téléphone pour appeler Yaka Yaka. Pour dire qu'effectivement, tu es venu chez moi, tu t'es lavé. Et puis, on a dormi ensemble là. Yves, vous-même, les internautes, vous tous qui êtes ici là, quand vous me regardez là, moi, il y a touché Yves Duro. Elle va dire, elle veut pas. Ma vidéo là, à aucun moment, il t'a dit qu'Yves Duro m'a parlé de quoi que ce soit. À aucun moment. Donc, tu n'as pas à t'asseoir, ouvrir ta sur la pauvre dame. Et puis, proférer des mensonges aussi lourds en son encontre. Tu veux gâter, tu veux nuire à sa réputation. Bon, elles ont eu à faire des choses. Donc, je vous explique. Donc, quand vous venez de voir dans la vidéo, Gugu Love explique un peu ce qui s'est passé entre elles. Entre-temps, Yves Duro a appelé Yaka Yaka pour lui expliquer comment ce s'est passé. Elle a voulu l'appeler Yves Duro en France et Yves Duro a refusé. Que fut pas ma surprise d'apprendre aujourd'hui que cette dame lape. Elle lape pas seulement une seule personne. Elle se fait laper un peu partout. Dans toute la ville de Paris et alentour. Elle peut pas nier. Si elle ment là, la foudre va descendre dans sa gueule. La terre prend pour vous séférer une pétement. Elles sont allées en boîte avec des gens, avec des amis à elle. En ce moment, Yves Duro dormait encore à l'hôtel en France ici. Effectivement, Yaka Yaka. Moi et Yves Duro, on devait sortir. Nous ne sommes pas sortis. Elle est venue chez moi dans le 14e arrondissement. Quand elle est arrivée, je t'en ai à ma femme, elle a sonné. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai coupé le micro. Elle a dit, elle va aller se laver. Elle a fait des signes. Ton téléphone est madame, je dis oui. Elles font de la prostitution pour le lesbiennage. C'est-à-dire qu'elles ont plusieurs partenaires dans le lesbiennage. Oh my God, Jesus Christ. Donc, elle est rentrée directement dans la douche, elle est partie se laver, elle s'est débabouée. Je tenais à vous dire quand même qu'avant ces événements, une pizza de chez Pizza Hut a été quand même dégustée. Ok? Mais avant la pizza, il y avait d'abord un bain. Donc Yves Duro paye les transports, Yves Duro paye à boire pour elle. Même quand elle veut manger fromage. Et donc Yves Duro a fini de tout payer,
Elle pensait qu'elle avait eu sa go comme ça de la nuit là, pour aller dormir. Et voilà, Dieu merci. Yves Dero, si tu n'es pas maudite, toi tu ne vas pas dire que tu m'as donné l'argent. Parce que tu ne m'as jamais donné l'argent, Yves. Ton 5 francs n'a jamais touché ma paume, Yves. Moi je suis une personne, j'ai dit que mais c'est normal, toi et moi c'est baiser donc tu m'as donné l'argent. Mais Yves, non, faut pas faire ça. Tu m'as jamais donné 5 francs. Ivy. Donc, Ivy Dero est parti se laver pour venir se coucher là. Papa Babi n'a pas vu Ivy Dero passer en pagne. Eh ma chérie, tu as vrai sein, hein? Ma chérie, tu as vrai temps, hein? Ivy Dero me dit, j'ai eu, elle a eu peur. Ma chérie, tu as vrai temps. Ivy, eh? Pardon, on a qu'à rester amis, oh. Oh, les gars qui ont dit en belle, moi ça là, je ne mange pas de ce pain là. Qu'elle avait dit, ah? Que je vais le me laver. C'est là où j'ai dit que Yaka Yaka dit la vérité. C'est pas moi, pardonnez, téléchargez la partie là, s'il vous plaît. Elle dit, je vais aller me laver. Donc moi, je me suis occupé de ma femme rapidement. Elle est rentrée dans la douche, j'ai coupé le micro. Quand elle est rentrée dans la douche, elle s'est débabouillée rapidement. Oui, ma bédite. À part ta boue qui sent de la caniveau, poubelle d'accordo là. Ouais, il reconnaît, il est un garçon. Quand tu t'es déshabillé, il est bandé, c'est normal. Elle n'a pas dormi la nuit. Oh. Elle doit son bras, sa main là, sa main comme ça. Hein? Elle fait comme si elle est somnambule. Sa main là, sa main comme ça. Hein? Il lui devra passer une nuit blanche ce jour-là. Une nuit même très blanche. Elle n'arrive pas à dormir. La fille avait violé Yves Vidéro. Je t'ai touché, tu n'as pas pu dormir jusqu'au matin. Evie, moi, je n'ai pas poursuivi notre raison parce que ta bouche sent très mal. Ah, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je viens d'avoir la réponse. Elle veut violer la fille parce qu'elle est venue dormir chez elle. Elle dort pas, elle tourne, elle cogne. C'est en voilà son bidon devant elle à l'époque. Tu peux pas. De 20h30 avec. J'ai dit de 21h à peu près. J'ai pas. Elle m'a repassé à se toucher, toucher, sans mêler, mêler. Se toucher, toucher, c'est mouroc. C'est mouroc, mouroc dans les lits là. J'ai passé à partir de 21h30 à peu près. Passer le temps qu'elle fasse à partir, j'ai dit ta femme aussi, elle est collante, c'est qui ça là, mais même énerve. Quand elle a commencé à dire ça là, j'ai compris tout ce que c'est un immo. D'après les BT. Elle m'a. Quand le premier qu'on a fait, cocorico, hey, Yves Dero était déjà levé, lavé, habillé, fui. Tu dis quoi? Yves Dero a fui de là-bas. Yves Dero, toi et moi, on a commencé à. On a commencé à se baisser, de fou. De 1h30 à peu près. On s'est laissé là. Quand toi et moi, on a commencé à dormir, tu connais l'heure. Mais j'ai dit, on s'est laissé à 3h30. On a dormi, quand on a dormi là, quand toi et moi on a dormi là, Evie, bras dans bras, on a dormi là, c'était 3h30, Evie. Evie Dero, elle s'appelait, mais Evie Dero causait avec elle maintenant à distance, hein, parce que elle était devenue prudente. Hein. Elle commençait à marcher avec elle en prudence, il y a un téléphone là, c'est quand on doit se voir, enfin, moi je suis occupé, hein, c'est qu'elle suis en gérée. Hein, afin où tu as failli me violer la nuit, là, n'était pour qu'à voir là. Donc, voilà, elle a secouru de colère là, contre Yves Dero. Donc, vous allez comprendre par là que Yaka Yaka défend Yves Dero. Il a insulté, il va tout dire, mais il est ami à Yves Dero. Il ne peut pas dire que c'est faux. Mais de la manière qu'il a expliqué l'histoire là, c'est pas clair. Elle n'a pas tout expliqué. Donc, c'est dans ça là que Gugu Love aussi est venu casser tous les papos pour dire que on a fait de 21h à 3h du matin. Donc, on n'avait pas encore fini de parler de ça. Oui, Tanti Teke, il ne sait pas, elle a quitté où là-bas. Tanti Teke, Manuela Keita, elle a commencé à se réjouir, fête de réjouissance sur l'histoire de Gugu Love et de Ivy Dero. Déjà, elle est contente. Donc, je vous explique pourquoi elle est contente. Le palabre entre Emmanuela Keita et Ivy Dero commence quand? Le palabre commence quand Emmanuela Keita, qui est ambassadrice d'une émission créée par un certain César,
cette émission-là, Love, Life of My Story. Depuis un moment, je me suis prononcée sur une histoire où je suis l'ambassadrice d'une émission appelée Secret Story of My Life. J'ai décrit un mécontentement vis-à-vis d'une dame en lui expliquant qu'elle avait plagié un projet. C'est là que tout est parti en couille. Yves Hudero dit que non, que c'est son projet. Et depuis cette époque, en fait, cette dame m'a pris pour cible. Dès que je fais une sortie qui n'a rien à voir avec elle, dès que je dis un truc qui n'a rien à voir avec elle, dès que je suis en histoire avec quelqu'un, elle court dans le inbox de la personne et elle me salit, elle essaie même de s'allier avec cette personne-là pour me terminer. Dès que je fais un truc, elle a des commentaires, elle a des pics qu'elle me lance à chaque fois. Je me suis demandé de savoir si elle avait un problème réel avec moi ou si elle avait un problème tout court avec sa propre personne. Je me suis posé la question de savoir, en fait, si elle avait un complexe qui l'a fatiguée. Et j'ai eu la réponse aujourd'hui. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on me reproche concrètement ? Lorsque j'ai parlé d'une histoire de plagiat, je fus surprise qu'on me ramène en fait en bas d'un immeuble. Pendant que je criais « mais laisse le projet des enfants », on me dit « en bas de l'immeuble ». Tu venais en bas de l'immeuble chercher un petit jeune. Je ne comprenais pas en fait pourquoi à chaque fois que je m'adressais à cette dame, elle me ramenait en fait vers le bas de l'immeuble. Il faut que vous compreniez que je ne suis pas du tout dans le genre à rabaisser les lesbiennes. Non, j'ai des amies lesbiennes. J'ai des potes gays. Mais j'ai plus d'admiration pour des lesbiennes qui s'assument, en fait. J'ai plus de respect pour ce genre de personnes. Donc maintenant, tout ce que Emmanuel Akita faisait, tout ce qu'elle postait, Yves Hudero lui lançait des pics. Donc c'est ça, aujourd'hui, Yves Hudero a... j'ai dit que quoi même? Aujourd'hui, Emmanuel Akita a pris l'affaire pour charger. Elle est partie payer Pixar Hut. Elle est partie payer que quoi là même que Wings de la poulet là. Après le bain, il y a eu la pizza. Ensuite, quelques Wings pimentés. J'en ai pris deux pour le coup parce que je me dis jusqu'à 3h30, like, on risque quand même de faire long. Je vais ramener mon paquet de bonbons pour le coup. Là pour nous vivre. Aile de poulet. Vous venez faire direct de plus d'une heure. Sans compter que dans le direct, Gugu Love est descendu dedans à appeler Emmanuel Akita. Bientôt. C'est à cause des élections là que la Côte d'Ivoire va venir être en sécurité. Après les élections, ça va se faire. Elle n'a pas se méfier. Faut lui dire qu'elle n'a pas me laisser tranquille. C'est ta cousine aussi, non? Non, c'est pas ma cousine en fait. Elle force pour être cousine avec moi, mais je la connais pas en fait. Non, il n'y a pas de souci, Gugu. Donc, grand frère Gugu, je te fais de gros bisous. On garde le contact parce que t'es ma star. On garde le contact. Voilà, je suis dans ta life maintenant. Hein, je bouge pas. Ok, merci beaucoup. Allez, merci, bisous, Gugu. Donc, vous comprendrez que Emmanuel Lakeita est devenu CP fâché contre Yves Hudero avec Gugu Love. Donc, voilà l'histoire. Parle plus jamais de moi, chérie. Parle plus de moi, oublie-moi. Je suis plus immature que toi. Je suis plus folle que toi. C'est l'éducation que j'ai reçue de ma mère qui fait que souvent je me mets dans un rôle. J'essaie de faire ce que je peux en fait pour être bien. Ne me fais pas sortir certains côtés de moi que je cache, que je me jette. Et parle plus de moi. En termes d'exemple, t'es pas le bon exemple. Je ne t'assume même pas. Qui es-tu, en fait, pour donner des conseils aux gens? Qui es-tu, en fait, pour parler à chaque fois d'aller travailler? Donc, ton travail, là, c'était ça. C'était ça, ton boulot? Ton boulot, là, c'était ça? Ton travail que tu dis que tu fais, là, c'est ça? C'était ça, ton travail? Tout en train de rabaisser les gens. Je suis ta copine. Parle plus de moi, girl. Parle plus de moi. Je ne suis un exemple pour personne. Je veux être juste un exemple pour mes enfants. Je leur donne l'éducation que je peux tous les jours. Je me bats pour eux. Je veux être l'exemple de personne, girl. Mais crois-moi, chérie, je peux être ton exemple. Parce qu'il y a une chose que je sais très bien faire, c'est m'assumer.
C'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'assumer. Et à ce niveau-là, je te dis, hey, come girl, je vais t'apprendre comment t'assumer. Ok? D'accord. C'est la période des coming out. Alors, je vais t'appeler maintenant à la barre. Tu vas nous avouer maintenant que t'es une lesbienne. Je t'appelle maintenant à la barre et tu vas assumer ça. Il n'y a pas très longtemps, on parlait d'une autre comédienne, là. La jolie gobetée, façon. Comment elle s'appelle? La jolie gobetée qui est... Il y a une jolie gobetée comédienne, là. Eunice. Je crois qu'au moment où on parlait de son lesbienne, tu voulais rire un peu, te moquer, façon. Mais elle, là, même si elle est lesbienne, son lesbienne doit être doux. Son lesbienne doit être doux. Parce que le problème, en fait, quand tu es lesbienne, en fait, il faut qu'il y a deux trucs qui doivent être hyper propres. Ah. Je crains pour toi, là. Donc, cette histoire-là, on attend la suite. Moi-même, j'ai fait partie d'eux pour vous. Hein? Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Il fait comme les youtubeurs, là. Donc, c'est ça. Donc, cette histoire est vraiment complexe. C'est complexe. Dur, bizarre, complexe comme les cheveux de Kevin Aubin. Je vous dis. Mais cette histoire-là n'en restera pas là. Donc, cette histoire-là, on attend où ça a tombé. Donc, on attend que Yves Duro elle-même. Yves Duro dit que ta bouche sent. Il faut venir te parler. Mais il faut t'éloigner un peu de la caméra. Faut pas que tu affondes le truc. C'est pas moi, les tio. C'est les gens. La voilà. Ivy, c'est pas moi, oh, c'est Yaka Yaka de Paris. Et puis, je confirme, c'est quand tu as appelé Yaka pour dire que tu t'as pris une douche et que moi. Koui, Ivy Duro, c'est toi qui as appelé Yaka Yaka. Moi, quand j'ai parlé là, tu as entendu vers où que Ivy Duro m'a appelé pour me dire ça. Tu as entendu ça vers où? Tu as entendu ça vers où? Et puis, tu vas t'asseoir. Tu vas ouvrir ta grosse chatte qui est en bas de toi là. Ta grosse chatte pleine de poils. Et puis tu vas venir dire que Yves Duro, toi tu as baisé. Tu sais que c'est la chose que tu vas venir prouver ça à la justice, ma chérie. Je t'ai baisé, tu es une lesbienne. Moi je signe ton commis à août. Et puis, il a cité les personnes à laquelle tu as couché. Quand tu as venu démentir, en fait. Et ces personnes aussi vont sortir. C'est lancé, c'est gâté. Je ne suis pas la première personne à laquelle Yves Duro a couché. Ou bien je dirais à lequel. Yves Duro. Je ne suis pas la première personne. Ou bien le premier gars avec qui Yves Duro a baisé. Oui, parce que je t'ai couché. Je t'ai baisé, Yves Duro. Il ne peut pas mentir sur moi. Oui. Quand on a fini de coucher ensemble, là, quand toi et moi, on s'est régalé, tu as commencé à faire tes petits jésus, bête, j'ai dit, adieu. On s'est présenté comme des amis à ma femme, ça ne peut pas coller. Parce que moi, j'aime ma femme, je la respecte. C'est arrivé. Pareil, c'est garçon. Celle même que tu appelles ta moitié, celle même avec qui tu es en train de dire que tu es en train de montrer au monde, aux yeux du monde entier, que c'est elle que j'aime plus que tout le monde. Tu n'as même pas été capable de lui dire que Yves Duro a déposé l'argent sur ton compte à la poste. Tu n'as même pas été capable de lui dire ça. Toi, tu es une menteuse. Tu as venu t'asseoir pour dire, moi, je suis bandant. Oh. Moi, là, tu es femme. Donc, tu as à côté de moi, je suis bandant. C'est rentré ici, c'est sorti là. Parce qu'il y a encore d'autres papos qui vont se casser. Yves Duro, c'est une lesbienne. Je confirme et je le dis, c'est moi qui dis ça. Je ne suis pas la première personne avec laquelle Yves Duro a couché. Oui. Je ne suis pas la première personne. Parler d'elle, ça ne veut pas dire que Yves Duro m'a dit quelque chose. Ce n'est pas parce que j'ai parlé de Yves Duro qu'elle doit venir s'asseoir pour venir raconter. Et c'est Yves Duro qui a parlé. Il faut attendre qu'Yves Duro même parle pour venir te justifier. Si Yves Duro avait parlé, tu allais venir te justifier. C'est Yves Duro qui a parlé. Et puis tu sors, tu viens ouvrir ta gueule pour parler. Moi, je t'ai dit à quel moment j'ai parlé. J'ai dit dans ma vidéo que Yves Duro m'a dit quelque chose. Depuis Yves Duro est venu, mais elle ne m'a pas encore appelé. Je suis fâché contre elle. Depuis Yves Duro est arrivé à Paris, elle ne m'a pas encore appelé. Je suis fâché contre elle pour ça. Voilà. Donc, tu ne peux pas venir te lever, venir t'asseoir pour raconter ta vie. Donc, voilà, c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous, likez. Et puis, on se dira à la prochaine. Hein? Et puis, story time.
Abonnez-vous si vous aimez les story time, abonnez-vous. Et puis il a fait les story time tout dernièrement là. Donc on se dit à bisous, ciao, ciao. Ok, I love you so much. Thank you.